Cuba, les Cubains appelés à valider leur nouvelle constitution en février 2019 dans un atelier de réparation et de location de vélos, La Havane, le 4 août 2018. Reuters, Thomas Bravo à Cuba, la télévision nationale a annoncé ce jeudi 9 août que le référendum sur le projet de nouvelle constitution se tiendra le 24 février prochain. Une constitution qui reconnaîtra le rôle du marché et de l'activité privée dans l'économie cubaine. La transition économique et sociale lancée à Cuba depuis le milieu des années 2000 et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro en 2008, avec « l'actualisation économique », poursuit sa marche en avant. Le projet de réforme constitutionnelle validé par le Parlement en juillet dernier, tout en réaffirmant le caractère socialiste du système cubain, reconnaît l'économie de marché et le concept de propriété privée qui avait disparu de la Constitution en 1976. Dans son article 21, le nouveau texte soumis aux Cubains reconnaît de nouvelles formes de propriété comme la coopérative, la propriété mixte et la propriété privée. De même, le nouveau texte reconnaît la nécessité d'ouvrir le pays aux investissements étrangers. Les Cubains de l'extérieur invités à participer au débat. Parmi les autres nouveautés que propose cette réforme constitutionnelle, l'ouverture au mariage homosexuel, la création d'un poste de Premier ministre et celle d'un poste de président, précédemment président du Conseil d'État, assorti d'une limitation de l'âge et du nombre de mandats. Toutes ces propositions seront débattues par le peuple cubain lors d'un débat populaire qui se tiendra durant 3 mois du 13 août au 15 novembre. Une nouveauté, les quelque 1,4 million de Cubains de l'extérieur, émigrés ou exilés, sont invités à participer au débat. Une première depuis la révolution de 1959. Certains amendements pourront être déposés, mais aucun changement majeur ne sera pris en compte. Puis à la fin de cette consultation, les Cubains diront si oui ou non ils valident le texte final lors d'un référendum organisé le 24 février 2019. Une date symbolique puisqu'elle correspond à un double anniversaire, celui de la proclamation de l'actuelle constitution de 1976 et celui du début de l'insurrection indépendantiste contre le joug colonial espagnol le 24 février 1895.